Bonsoir YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes toujours mardi. Oui. J'étais très productif aujourd'hui. Donc, vous avez eu une vidéo hier, une vidéo donc aujourd'hui, et vous allez avoir une vidéo demain. Voilà. Mais la vidéo de demain, elle dure pas très longtemps. Ce soir, j'avais envie de colorier et dans un nouveau livre que je me suis acheté. Dans celui-ci. Donc, j'en ai déjà fait. Je vous les montrerai si cela vous tente un jour que je vous montre les colos que j'ai déjà fait dedans. Et ce soir, on va faire celui-ci. Donc, on voit déjà que c'est Aladdin et le génie. Alors, ce qui est dommage dans ce carnet-là, c'est que on peut pas détacher les feuilles. Voilà. Je pense que c'est le seul bémol que je pourrais dire. Sinon, bon, si on voit un peu les feutres à travers, mais bon, c'est les feutres de chez Action et les feutres de chez AliExpress. Mais franchement, les coloriages sont vraiment très beaux. On a les solutions à la fin. J'y regarde de temps en temps, vraiment, pour voir un peu les couleurs. Que je dois utiliser. Et d'ailleurs en crayon, donc en feutre, j'ai toujours mes feutres de chez Action. Il me manque encore deux rails, j'arrive pas à les trouver. Il me manque le jaune et le vert. J'ai toujours ma mallette de chez AliExpress dont j'ai des feutres qui ne fonctionnent pas et le vendeur n'a rien voulu savoir. Je me suis acheté des feutres comme ceci, Stabilo. C'est pour enfants, mais franchement, ça dépanne bien. Et j'avais eu ceci, donc ça c'était à ma fille. Voilà. Avec tout ça, j'arrive à avoir toutes les couleurs. Je vais prendre mon nuancier et je vais déjà chercher les couleurs. Et après, on va commencer le colon. Bon, voilà. Il y a juste pour le petit B là, donc c'est la couleur de peau de Aladdin. Je ne suis pas sûre de mon truc, mais vous voyez, il y a quand même beaucoup de actions. J'en ai donc, j'hésite entre ces deux là pour la peau d'Aladdin. Et le noir, j'ai pris un noir basique. Donc déjà, on va faire le contour en noir. Et après, on fera la couleur. Donc vous savez, coloriage, c'est rare que je parle beaucoup. Je vous mettrai une petite musique. Il faut que j'essaye de retrouver d'autres musiques un peu détentes. En libre de droit, bien sûr. Parce que les musiques que j'ai, je sais qu'elles sont en libre de droit, vu qu'ils sont dans le logiciel de montage. Vu que le logiciel je l'ai payé, j'ai payé une musique qui allait dessus quoi. Donc j'aime bien faire les contours en premier et après je fais le remplissage. Comme ça au moins je vois les personnages.
J'essaie de pas trop bouger pour que vous voyez quand même bien. Parce que moi, quand je suis toute seule, le truc bouge en tous les sens. Hein. Le seul truc que je pourrais reprocher à cet album, c'est dans les dessins que j'ai fait avant, dans les colos que j'ai fait avant, à un moment donc il ne fallait pas colorier, c'était en blanc. Et en fait ils ont mis les numéros. Donc qui est les traits comme ça encore, bon. Voilà, parce que comme ça on peut ne pas trop savoir ce qu'on va faire en coloriage. Mais les numéros, bah du coup, j'ai mis un coup de Posca blanc. Pour les effacer au maximum, j'ai laissé les traits, mais j'ai effacé les numéros. Je trouve que ça rend mieux. C'est super agréable, on entend encore les petits oiseaux et tout. Il a fait super chaud aujourd'hui. Ce matin, on est sorti. Avec les loups, mais cet après-midi, on est resté à l'intérieur, on a fermé le volet du salon pour jouer tranquillement à l'ombre. Mon fils il s'est retrouvé en culotte toute l'après-midi, tellement il avait chaud. Et le petit que je garde, bah, j'ose pas trop le mettre en culotte en fait. Voilà, c'est pas mon fils. Ça pourrait être mal vu de la part des parents, donc voilà. J'ai pas envie d'avoir de problème. Enfin, culotte en couche. Ils sont arrivés, le gamin il était en couche parce que j'étais en train de lui changer justement sa couche et donc je l'ai un peu rafraîchi, j'avais mis de l'eau et tout ça, donc je l'avais vraiment déshabillé le temps de changer sa couche. Et au moment où je change sa couche, bah, le papa il est arrivé, du coup bah j'ai juste eu le temps de lui remettre sa couche pour aller ouvrir la porte. Et je lui dis, bon, bah, vous attendez un petit peu. Hein. Alors là, j'ai été faire un tour ce soir, avant de commencer, sur AliExpress, pour vous faire un nouveau concours pour les 200 abonnés. Donc j'ai encore le temps, hein. Mais je voudrais vous faire un deuxième concours, et là donc avec plusieurs petites choses à gagner, pas juste un DP. Donc j'ai regardé un petit peu et j'ai rempli mon panier. J'ai encore rien acheté hein, mais j'ai commencé à bien mettre dans le panier. Et c'était oh ça serait cool. Ah ouais ça j'aime bien. Oh ça serait cool.
Donc par contre, n'hésitez pas à aller sur Utip. Je sais, ça peut être chiant que je dise ça, je suis désolée. Ça va m'aider en fait pour vous acheter plus de choses pour les concours. Ça vous prend, je crois que les pubs doivent durer, allez, même pas 20 secondes peut-être. Peut-être un peu plus longue pour certaines. Et puis, ça remplit la cagnotte justement pour acheter tout ce qui sert au concours. Ce que je leur redis, c'est pour le concours. Utip, c'est pas pour moi. C'est pour vous. C'est pour m'aider à vous offrir des DP, enfin plein de trucs quoi. Pourquoi il a la moitié du visage noir? C'est normal, attendez. Parce que là, si je continue... Donc oui, je regarde les solutions. Maintenant, il a pas la moitié du visage noir, normalement. Je fais quoi? Ça me paraît bizarre, en fait. Ça me paraît trop bizarre. Parce que les autres couleurs encore on peut tricher un peu, mais là oups, c'est tombé en fait. Donc là ouais, c'est noir, ils se sont plantés quelque part. Là ouais, je suis d'accord, c'est noir comme ça. C'est ses cheveux, donc c'est normal. Mais après, tout ne devrait pas être noir en fait. Normalement, c'est son sourcil qui devrait être noir là. Je sais pas, ça va faire bizarre hein, si... Là, je suis d'accord. Parce que là, son œil est noir. Ah, peut-être que si. Je sais pas. Bon, tant pis, on va faire comme ils disent. Que normalement là et là c'est noir, voilà, on va rattraper comme ça. Donc normalement là tout aurait dû être noir et ça aurait pas fait beau. On va faire le génie. Heureusement qu'il y a les solutions à la fin du livre quand même des fois.
Là, vous voyez, au niveau des dents, c'est blanc. Au niveau de la bouche, c'est blanc. Il n'y a pas de couleur. Enfin, il n'y a pas de... Pas de couleur, oui, il n'y a pas de couleur. Mais il n'y a pas le... Un chiffre, en fait, à la place. Donc, je sais pas pourquoi ils n'ont pas fait ça sur les autres aussi. Il n'est pas aussi fin quand même. Et voilà, on a fini tout le noir. Moi déjà on voit bien les personnages. Alors, le 2, il n'y en a pas beaucoup. C'est le chapeau là. Et pas grand chose en deux. Ah, j'ai oublié un truc en noir. L'intérieur de l'oreille d'Alada. Voilà. Alors, 3. Ah, j'ai oublié. Non, j'ai oublié la lampe. Vous voyez? On va faire attention. Alors, on a dit 2. Il est où le 2? Je
je le vois pas. Ah non, on a dit 3. Oh là. Oh là là, j'ai du mal. C'est pas sûr. C'est l'autre. Voilà. C'est le fond déjà. On va faire une partie là. On va pas faire le fond tout de suite. J'aurais bien voulu faire les personnages avant. Donc oui, je fais toujours autant de traces. Hein. Toujours pas devenue une professionnelle du coloriage et je pense que je suis pas prête à en devenir une. Je fais surtout ça pour m'amuser, pour me détendre. Donc après, s'il y a des traces, je m'en fiche un peu tant que je vois ce que je veux colorier. Donc il y en a encore beaucoup, hein, du 4 là, encore tout ça en 4. Mais on va passer un petit peu. Alors 5. On voit un peu toutes les couleurs. Six. Six, par contre, tu vas être chiant à faire, je le sens. C'est la trace de la fumée là.
c'est même pas la trace de la fumée, c'est l'ombre, c'est les ombres. Non, je vais pas tout vous faire. On va retourner dans du clair. Donc c'est pas du noir, c'est du gris foncé. On pourrait croire que c'est du noir, mais non, non. Voilà, allez, on va passer à une autre couleur. Le 7, justement. J'ai déjà l'impression que mes feutres de chez AliExpress, ils sont en train de rendre l'âme. Pourtant, j'ai plus tendance à faire donc avec les feutres de chez Action. J'utilise moins souvent. Ça va être le génie. Thank you.
Voilà, on a une bonne partie à colorier. Alors voilà aussi pourquoi j'aime bien délimiter les personnages avant. Au moins comme ça les grandes parties, on peut les faire facilement. Il n'y a pas à faire tous les petits... tous les petits dessins en fait qu'il y a dedans. Après, peut-être que ça ferait moins de 3, je sais pas. Tester la prochaine fois. C'est une couleur qu'on ne voit pas beaucoup, mais on la voit pas beaucoup. Alors normalement c'est censé tirer vers le jaune, mais je n'avais pas. Donc j'ai pris une couleur qui pouvait qui se rapprochait. Voilà, je cherchais un mot. Je sais pas si vous allez voir la différence, mais on la voit quand même un petit peu. Voilà. Et c'est là que intervient ma feuille. Pour la peau d'Aladin. Alors. Si je suis, il faudrait que je prenne celui-ci. On va prendre celui-ci. C'est lequel ? C'est celui-ci, je crois. Je trouve quand même que les peaux, ils sont assez foncés dans le livre. Parce que j'ai fait des peaux juste avant. Je trouve qu'ils ont quand même pris un bon coup de soleil. Aladin, il n'est pas blanc, hein, mais
elle n'est pas blanche. On va dire que je suis raciste. Il a pas la peau claire. Voilà. Et je pense pas qu'il ait la peau aussi foncée. Voilà. Oh, ça va à peu près quand vous voyez, vous. Moi, ça me paraît vachement foncé. Mais quand je regarde la caméra, ça me paraît moins foncé. Alors, j'ai vu un 7. On va continuer un petit peu, oui. On va faire un peu les lettres, là. Que je la vois. Ça, vous verrez le message caché du coloriage. Par contre, je le finirai peut-être pas avec vous. Parce que deux vidéos à chaque fois. Je pense que je ferai une vidéo. Enfin, celle-ci. Et vous les verrez de toute façon quand je vous remonterai tous les colos. Voilà. Cherchez ma phrase. Donc vous les reverrez quand même. Hein. Vous allez voir la fin, ce que ça donne et tout, mais pas en coloriage. Je suis quand même moins précise avec ces feutres-là. Au fur et à mesure, je les utilise, je les aime de moins en moins. C'est fou, hein? Je pense que je vais m'en recommander, cette fois sur Amazon, pas sur AliExpress. Par contre, génie, je suis en train d'essayer de lire le truc. Génie, est-ce que vous voyez, j'ai du mal à lire. Peut-être là, j'arriverai à lire. Ah, tu es libre, d'accord. T-U. Ok. J'ai compris. Donc, et on va faire un peu de 4. Un peu le 4, c'était le clair. On va finir par une grosse partie. J'ai déjà délimité. Thank you.
Et ça va. C'est le... Je suis partie là et en fait, c'était dans le foncé, dans le violet foncé. C'est bon, ça cache bien. Ça cache bien ma bourde. Hop, le petit sac. Voilà, bon, on va s'arrêter là. Moi, je le continuerai plus tard. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà ce que ça donne. Voilà, voilà. Moi, je vais le finir. Je vais noter les crayons que j'ai utilisés en bas. Pour reprendre les mêmes couleurs la prochaine fois. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée ou bonne journée.